Bonjour tout le monde. Laïa est triste, mais c'est parce que Chambellan a un truc pour nous. On peut apparemment déménager notre chambre, alors je veux aller dans les quartiers, on va aller dans nos quartiers privés, parce que. Oh. Eh oui. Alors on va découvrir ensemble, toi et moi, Les quartiers privés. les spectateurs et nous, les quartiers privés. Ah, c'est déjà Ah, plus simple. voilà. Bon, par contre, je sais pas pourquoi on veut déménager, mais on peut déménager. On est sous l'eau? Et oui. Ah, c'est sympa déjà, hein? Au moins ici on est tout seul. Et il est passé où, mon oiseau corail? Bah, il est plus là. Pas grave, on peut peut-être en mettre un autre. Ah, tu vois, on peut en mettre plein en plus. Ah! Ouais, on peut. Ah, là on est obligé de mettre un gecko du désert, là aussi. Ah, on peut même mettre des poissons. Ah non, pas les poissons. Voilà. Ah, voilà, on a une chambre bien vivante. Peut-être que c'est parce qu'on n'a pas assez d'oiseaux corail. Enfin, je sais pas s'il y a un nombre par rapport à ce qu'on a capturé ou si c'est juste qu'on pouvait pas les mettre Aquarium. ailleurs. Bon, après, ça me paraît légitime qu'on puisse pas mettre de poissons corail, d'oiseaux corail dans Ou l'aquarium. de poissons par terre. Et même là où il y a le lézard, en fait, on peut pas. Non, je pense qu'en fait, il n'y a pas de nombre spécifique. Mais c'est tellement cool. Et voilà. Donc voilà notre Regarde, il y a ton arme et tout. charmante bâtisse. Lika qui fait ses griffes. Trop bien. Bon. Malheureusement, on va pas rester là à contempler notre chambre. On doit aller voir Au poste de recherche, la la madame. capitaine 3. Oh, Alors. Lika, elle est à fond. Oh, Lika, elle est à fond. Elle est partie se reposer. C'était dur le voyage. C'est compréhensible. Bonjour. C'est le moment. Tu es prête à descendre dans les profondeurs du Valputride? Ah, je suppose qu'on n'a pas trop le choix, hein. Pour commencer, nous allons tenter de repérer les traces de Zora Magdaros depuis les airs. Si nous trouvons quelque chose d'intéressant, nous chercherons un endroit sûr où vous déposer toutes les deux. Allez, on y va. Non mais ce bateau, il va se cogner dans les coraux à un moment donné, je sais pas. Le Valputeride. Quel charmant endroit, n'est-ce pas? Ah, il est vraiment petit. Hein. C'est magnifique. On dit pas c'est Finalement, magnifique, elle c'est beau. utilise ses Des jumelles. raffinos? Des raffinos. Ah, ça s'appelle donc des raffinos. C'est un peu des frimeurs, je pense, du coup. Ah, tu penses qu'ils sont... Alors, Ce sont des frimeurs! Oui. Difficile à dire. Tu rajoutes une Nous dame avons devant des Raffinos, informations. ça devient vraiment des frimeurs. Ah, je vois. Encore loin d'avoir découvert la vérité. Le Zora Magdaros se dirige là-bas. Mais pourquoi? Ce monde regorge de mystères, tu sais. Oui, et de délicieux plats à dévorer. C'est quoi le rapport? Bon, Maudit, t'es un peu bête, c'est pas grave, je vais rien dire. Je vais rien dire. Ce deal-là, Non, non, mais la là, là, capitaine. la capitaine était là. Réponds pas, réponds pas, réponds pas. Je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Nous allons nous poser. Ah, ou pas. Raffinos. Les Raffinos. Ils ont peur. Lika, elle, par contre, elle met la tête dans le vide. Elle était où? Elle était à gauche, je crois. Oui. Ouais, ça va. Elle est cool, Lika. Ah, Oh voilà le Legiana! Mais je l'ai déjà tué, c'est bon, maintenant. Assistante, arrête de vouloir aller voir les mobs à chaque fois. C'est quoi ton problème? Se dit Laya. Oh, les pauvres Raffinos, là, ils vont avoir froid. Nous avons fait intrusion sur son terrain de chasse. Ça va, il attaque pas, il est juste en train de chasser. Nous devons nous replier. Mais pourquoi? Bah pour pas se faire frapper le bateau, je suppose. On pourrait utiliser des pouvoirs magiques pour voler et puis on tue le Legiana en volant. Pourquoi tu veux tuer le Legiana? Il est juste en train de chercher son repas. Ah bah ça va alors. C'est Molly qui l'a dit. Plein de bons plats. Ah, à dévorer. Elle doit être un peu La Legiana. descendante des Legiana, ou l'ancêtre, le chignon manquant entre le Legiana et le humain. C'était une expérience fort enrichissante. Nous n'avons pas pu descendre au fond.
Ce monstre répugnant est appelé Legiana. Ah, il est pas si moche quand même. Et franchement, il est super beau même. Inutile d'espérer atteindre le fond du Val Putride tant qu'il chasse dans les parages. Oh, j'avais presque oublié que tu étais une chasseuse. Si c'est pas trop te demander, tu pourrais peut-être régler son compte au Legiana avant qu'on ait un autre accident. Bon, allez. Bah finalement, on va utiliser les pouvoirs magiques pour le tuer. Ah, quelqu'un qui veut parler en bas. Quelqu'un veut nous parler. Salutations. Maintenant que nous savons voler, autant en profiter, non? Mes protégés ont très envie d'explorer le monde. Ils t'aideront sur le terrain. Donne-leur un ordre et indique-leur où aller. Et ils s'y rendront pour mener l'enquête. Ils pourront même transporter quelques souvenirs si tu veux. Drôlement pratique, pas vrai? Bref, je dis vague, désolé. Alors, que puis-je pour toi? Organiser un safari. Ah bah oui, on nous a parlé du safari. Un safari vous permet d'envoyer des palicolés qui manquent des autres joueurs avant de regarder des objets, des matériaux, des nouveaux guides, des nouveaux contrats, des organisations, des safari, des points de recherche. Organiser un safari. Bah, ok, ouais, c'est la chasse aux monstres. Oh. Allez, on va envoyer cette super coccinelle sur le circuit A ou sur le circuit B, on ne sait pas. Attends, tu dois choisir le circuit après, à mon avis. Donc, du coup, tu préfères qu'ils aillent chasser un quoi? Ah oui, non, d'abord, ils vont soit sur la forêt ancienne, soit... Oui. Qu'est-ce qu'il y a de beau, là? Il y a un barotte, il y a des kelbis, des os, un barotte, je sais pas, et... Et je sais pas. Et ça, c'est le coup de cou machin, là. T'es sûr? Ouais, allez, bon, on va les envoyer. Allez. Bonne chance! Ah, ils sont à fond. La super coccinelle, ouais! Elle est à fond, la coccinelle! C'est la meilleure. Bonne chance! Bon, bah nous, du coup... On va pouvoir partir. Mais non, pas en expédition, faut que je prenne la quête. Et c'est toi elle qui prends la là. Quête, allez. Tu te souviens de lui? C'est même lui qui a entraîné l'accident du dirigeable de la 3ème flotte il y a 3 ans. Si on ne règle pas son compte, le poste de recherche n'atteindra jamais le fond du Val. Je déteste le mot jamais, pas toi? Allez, viens, on va lui régler son compte. C'est vrai que c'est mieux de parler à l'assistante qu'au tableau de quête, parce qu'elle dit des petits trucs, c'est plus cool. Oui, du coup. Allons-y, partenaire. Suce au Legiana. Ils n'ont pas de cantine ici. Bah, peut-être que... Non, je sais pas. Ils mangent pas ici. Bon, pour l'instant, ça charge la quête. Il y a de l'encens partout. On mange pas de l'encens quand même. Vous mangez pas de l'encens. Et Kaldor, bon, bah, on peut y aller. Je pense que comme notre assistante, elle aime beaucoup manger, s'il y avait une cantine, on la trouverait là-bas. Je pense aussi. Bon. Bah, c'est genre, pourquoi j'ai pris ce camp? Pourquoi j'ai pris ce camp? Genre, c'est le nul. C'est celui qui sert à rien. Ce monstre risque encore d'attaquer le dirigeable si on n'intervient pas. Oui, bah, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Pourquoi j'ai pris ce camp? Elle est trop jolie, les cônes du Legiana. Bon, la quête commence vraiment. Donc nous avons... Ouh. Ah, je peux pas le marquer direct. Mais c'est pas grave, tu sais où il est. Oui, de toute façon. Enfin... Va voir le Grimalkin. Non, je plaisante. Regarde. Hop, des traces. Ah, ça, c'est une trace de Legiana. Allez, Dika. Aussi. Regarde. Oh non, pas vous. Oh, il y a un chanteur. Ah mais oui, en plus c'est une quête, du coup il est dans un endroit fixe. Le Grimalkin chante. Il s'amuse. Ah bah. Bah. Bah non. Bah oui, mais c'est bon, vous l'avez vu, pas besoin de... Y a pas de vidéo d'introduction puisque... C'était sa chasse au Raphios qui était sa vidéo d'introduction. Voilà. Je crois qu'on n'a pas besoin. Je crois qu'on peut pas lui monter sur la queue à ce monstre. Je crois qu'on peut pas. Enfin, on peut la casser, mais on peut pas la couper. Je crois, ouais, qu'on peut pas la couper. Waouh, c'était juste avant que tu tombes quand même. Pas de problème. What? Il est beau son cri, non? Ça va. Franchement, hein, comparé au cri du pao machin chose, là. Pourquoi il tombe? Non, il tombait pas, en fait. Jamais il tombe. Attends, j'ai rangé notre inventaire et ça met quand même un ordre random. Je pensais que ça dépendrait de l'ordre dans l'inventaire.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, après potion, tu vois, c'est antidote. Alors que moi, j'ai fait potion, méga potion, tu vois. Ah oui, ok. Je suis un peu déçu. Ah, il est pas content. Ah, il est pas content. Il aime pas se prendre des coups de bouclier. En même temps, qui aimerait? Oh, il m'a fait perdre plein de vie. Non, mais il fait mal quand même, le Legiana. Hein. C'est pas quelqu'un qui rigole. Oui. Il est méchant, il fait des trucs de glace, tout ça. Il est peut-être joli, mais il est méchant. C'est pas quelqu'un qui plaisante. Quand il fait ses... Bon, là, quand il fait cette attaque... Non, c'est pas elle, du coup. Elle, c'est une attaque qui fait rien, en fait. Je sais pas, genre... C'est elle, là. Non, non, bah non, il, a... non, non, il est gentil. Il ne fait pas son attaque terrible. De coups de queue de glace. Ah, par contre, qu'est-ce qu'il crie tout le temps? Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Bon, bah. Il m'a raté, hein. Ah, elle est terrible cette attaque. Heureusement, tu t'es bien caché dans un coin. Franchement, ce serait bien que on puisse se battre à un moment quand même. Voilà, atterri par terre, hein. J'ai pas une arme qui touche de loin, de haut. J'ai pas de pierre, j'ai rien, moi. Quand t'es dans les airs, on aurait dit... Si, tu peux monter sur le rebord et essayer de lui sauter dessus. Non, on fait super mal. Ah, mais il est juste là, en fait. Le Grimalkin, en plus, il m'a pas aidé. Je suis monté dessus, pourtant. Oui, mais tu lui as pas demandé. Je lui avais pas demandé la dernière fois. Pauvre Lika. N'empêche que Lika, avec son manteau... Ah, il y a des pierres. On dirait qu'elle craint pas le froid et que du coup... Elle est tranquille. Bon, bah, il va s'en aller, là, je crois. Regarde, maintenant, t'as des pierres. Mais c'est nul, les pierres. Donnez pas des pierres, ça fait rien comme dégâts. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, il y a mon super poulet, il est là. Effectivement, hein, tes méga potions, elles sont à un endroit random. Mais en fait, elles sont de base ici, parce que déjà, quand je jouais... Oh, là. Bien joué. Ah, le poulet, c'est le meilleur. Il y a moyen de changer le non, son. Poulet, viens pas dans mon attaque, tu vas mourir. Oh, qu'est-ce que tu penses de mon poulet, il a... La stun, il est trop cool. Ils sont où les aiguiseurs? À côté des méga potions. Il va s'en aller, genre. Oh oui, mais c'est bon. Ah bah y'a plus de chasseur alors je m'en vais. Y'a un truc là? Bon, peu importe. Lika a dit que c'était l'heure de faire ronron. Quelque chose m'attaque mais je ne sais pas quoi. Quelque chose m'attaque mais je sais pas qui. Mais non. Je croyais qu'il allait tomber. Mais arrêtez de vous mettre sur mon chemin. Il me voit vous pas du coup. Tu vas vraiment faire tomber. Non, 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 non. Mais c'est nul. Il me suit quand même, mais... C'est vraiment efficace, hein, cette cape camouflage. Et on ne veut pas faire une cape volante? On l'a, hein, actuellement, je crois. Non. Oh le pauvre. Je pense qu'au bout d'un moment il en aura marre. Mais déjà tu l'as attaqué. Oui, mais au bout d'un moment j'en avais marre moi. Je pense que lui il s'en lasserait jamais.
Moi, si je veux affronter un monstre, c'est pas pour... pas pour m'amuser à... Point, point. Ah, il est confus. On a réussi à le rendre confus. Bien joué à nous. Ah, dommage. Et tout le temps. Ah, tu pensais m'avoir. Non, c'est bon, je me suis fait avoir une fois. Ah, je monte dessus. Pour la peine. Pendant qu'on ne voit rien parce que la zone elle est très étroite. T'as vu, il fait des tourbillons en vol, c'est beau. Et nous on arrive à rester accrochés. Elle est super forte d'ailleurs. Triple combo. Piaou, piaou. Je vais manger. Mais... En plus, Lika, elle est en train de provoquer les Ghana. Pas un truc là. Ah ouais. Ça va, hein, il pose de la glace par terre, mais ça fait rien. T'imagines, on glisse et tout. Prochainement dans Monster Hunter 15. Actuellement, il y a un statut comme ça, ça s'appelle les bulles. Le statut qui te fait rigoler, c'est ça? Mais oui. Bon, il est où les geysers encore? Après... J'aime pas chercher les armes machin là. C'est pour ça que normalement on les range dans un bon ordre, mais à mon avis il doit y avoir moyen de changer l'ordre. Avant de partir en mission, tu réorganises ton truc, j'en sais rien. Ah, oh, il s'en va encore. Je pensais qu'en mettant les armes, enfin en mettant l'inventaire dans un bon ordre, ça changerait l'ordre, mais non. Ah, par contre le Legana il va se coucher à un endroit, mais c'est super loin. Il est pénible, le Legana, quand il peut aller se coucher. Oh, il a faim, le pauvre. Oh là là, ça dévise. On m'aurait dit que t'allais utiliser la fronde, en fait. Alors, j'ai vraiment du mal là, à m'habituer au fait que le monstre il est plus visé à partir du moment où il s'en va. Genre, parce que, je sais pas, c'était pas le cas avant. Du coup, t'étais pas obligé de reviser toutes les 5 secondes. Peut-être qu'il y a un truc dans les options. Peut-être, oui. Je sais pas pourquoi du coup ils sont partis sur ça plutôt. Bon, après, c'est sûr que du coup la visée elle te force à viser tout le temps le monstre. Je sais pas si c'est bien non plus. Allez. Ça va, il est parti. Il s'en va encore. Ah, il a pas très envie de se battre, ce Legana. Ah mais non, moi je suis venu pour chasser, pas pour me battre. Bon, du coup, vous me dites d'aller là. Non mais j'espère qu'il va pas aller se coucher à un moment, parce que... J'espère qu'on le tuera avant qu'il veuille dormir, parce que... C'est vraiment pénible. Oh non, je crois qu'il y allait, justement. Il avait pas l'air si mal en point pourtant. Peut-être qu'il va faire. Peut-être qu'il est pas fatigué et qu'il est juste monté là. Non, il est vraiment très loin encore. Oh non, il est parti dormir. Oui. Voilà, c'est bon, c'est le moment. Il est parti dormir. Il avait pas l'air de. Il avait pas l'air fatigué. Il avait pas l'air fatigué. Ok, mec, il propose de nous aider. Bien. Nya nya nya. Donc voyez à quel point aller chercher le Legana qui dort, Dean. Ce proverbe lui convient vraiment, c'est long.
Parce qu'il est parti dormir tout en haut du plateau du corail, en fait. Et du coup, il faut tout grimper. Et comme là, en réalité, la première fois que je l'ai battu, j'étais pas aussi bas. Alors là, je suis encore plus bas. C'est encore plus long de monter. Franchement, le dégât là, il est pas sympa. Ah, franchement, t'exagères, t'es bientôt arrivé là, regarde, la caméra elle l'a revisé cette fois-ci, je sais pas pourquoi. Qui dort, dîne, ce proverbe te convient vraiment. Ça, tu l'as déjà dit. Oh, dommage! Ah non, mais j'avoue que là, du coup, si tu meurs ici, mais ça doit être trop énervant aussi! Parce qu'il faut tout remonter. Oh, il y a des minerais. Oui, il y a des minerais. Point loin, je m'en fiche, j'ai donné mon coup. On n'arrête pas d'avoir l'impression qu'il va tomber, mais non. Fais semblant. Wow. Ah. Wow. Allez, c'est le moment. Dika ? Allez, est-ce qu'on peut le tuer avec ça ? Non. C'est terrible parce que... Les Ghana, c'est... Ouais. Non voilà. Il m'a tué, il est sérieux. T'aurais pu me tuer avant, pas après, genre... Voilà. Non, meurs ici, c'est bien. Comme ça. Paf. Wow, tu lui as fait 79. C'est pour ça que du coup, je sais pas si les quêtes d'arène, c'est les meilleures, parce que si tu meurs, au moins, c'est pas grave. Le monstre, il passe pas son temps à s'enfuir ou ce genre de truc, et du coup, ben voilà... Je pense que, je sais pas, il devrait faire un truc pour que tu puisses direct remonter ou te téléporter à un endroit A, à un endroit B, je sais pas en fait. Parce que je sais pas, je trouve vraiment que là, justement, voilà, on a fait typiquement la démonstration. Bon, je sais que ça peut pas être montré, du coup, le fait qu'on doit remonter et tout, bah, c'est pas intéressant, mais je sais pas. J'aime pas trop le côté. Allez, t'es mort, refais toute la map. Encore maintenant, ils sont plus sympas, ils ont mis plusieurs campements, alors que normalement, si on aurait été dans Monster Hunter, on aurait commencé ici. Et du coup, on aurait dû tout refaire. Bon, allez, c'est pas si vrai que ça, parce que dans les anciens Monster Hunter, il y avait du coup des... Ah, on voit le bateau. Dans les anciens Monster Hunter, il y avait des petits raccourcis, oui, si je puis dire, qui permettaient d'aller d'un point A à un point B, mais pas sur toutes les maps, en fait. Du coup, bon. C'est incroyable. Impressionnant. Notre dirigeable va pouvoir commencer sa descente vers les profondeurs du Val Putride. Fais-moi signe quand tu seras prête, mais pour l'instant, on va faire une petite pause. Merci à vous de... Attends, j'allais dire merci à vous d'avoir regardé, mais attends, je veux voir du coup ce que ça a donné, notre quête de chat, là. Ils sont où ? Safari. C'est là. Alors, le safari, il est fini ? Ah bah non, il faut faire 5 quêtes pour que ton safari soit terminé. C'est vrai ? Ben, je pense, oui, tu vois, là, ils ont atteint le... Ah ouais, ok... Récolte! Encore 4 quêtes! Alors qu'est-ce qu'ils ont gagné quand même? Les camps de Kelby et Pelachou. Ok. Bon, bah du coup, voilà, pour de vrai, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et voici nos futurs chats qui vont partir. Myrti. Ah non, c'est pas lui. Bergamote. Bergamote et musicien. Bref, au revoir tout le monde!